volume donné. Donc, chaque fois qu'on appuie, là, on est à 0,58 secondes. Donc, c'est le temps d'ouverture. Ouais, le temps d'ouverture, là, on a réglé sur 20 millilitres par jet. On appuie. Vas-y. Ouais. Et ce calcul de 20 millilitres, tu l'as fait par rapport à... Avec l'éprouvette. Ouais. Donc, on a testé au départ. On s'est dit, on était à peu près à une seconde. On a commencé à une seconde et on s'est aperçu qu'on était plutôt de 35 millilitres. Donc, on s'est dit, pour atteindre. Donc, après, on a tâtonné. Puis, on a fait. Donc, le but, c'était avoir 20 millilitres par arbre, quoi. Hein, c'est ça? Voilà, parce que 20 millilitres par 250 arbres, ça fait 5 litres. D'accord. Donc, 5 litres, comme ils préconisent 5 litres par hectare, on s'est dit, on va démarrer là-dessus, puis après, on affinera. D'accord. Et puis après, voilà. Et donc, là, branchement sur la prise 12 volts du. 12 volts, donc bien vérifier que la masse, parce qu'on a un problème de masse, mais sinon. Moteur électrique, il n'y a pas besoin de prise de force, ça fait près de 30 kg. Et donc là, au niveau revendeur, c'est... Alors, revendeur pour l'instant, c'est Casotti, c'est une boîte italienne qui est spécialisée dans tout ce qui est micro-traitement. Ils sont basés à Parme. On peut acheter a priori en direct, mais là, on a un revendeur mais qui s'installe à Loriol et qui sera à Grane. Arnaud Targa. Donc, il connaît bien la boîte et puis bon, on a fait affaire avec lui, il est très bien, il est venu mettre la mise en route impeccable. On pourra mettre donner son numéro de téléphone. Voilà, oui, okay. Il a des cartes aussi. Ouais. Ok. Bon. Gauche, droite et ça les deux côtés. Là, la mise en route du moteur électrique. Et là, et ici la fonction rinçage. Là, ça va. Tu vas voir si je le mets, ça reste en continu. Voilà. Ok. When the lights are gone.